What's up, Jonathan, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du premier vlog compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. Encore une vidéo sur SkillPP, je sais que vous les adorez. Et pour celle-ci, les amis, j'espère que si vous aimez la vidéo, vous mettez un pouce bleu, que les autres vidéos là aient 300 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Donc, avant de like la vidéo, regarde bien sûr, mais sinon tu peux like direct, je sais que tu vas aimer la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques que moi je trouve les meilleures pour avoir des bases non claim, mais cachées. Donc, il y a juste un truc à savoir. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des bases dans des arbres, mais il y a des packs de textures qui sont capables de faire en sorte que les feuilles soient invisibles. Dont le pack de Heatwix. Donc, le pack de Heatwix, les feuilles sont invisibles. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai regardé quelques packs de textures, etc. Et c'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui font ça. Donc, faites attention si vous voulez faire une base dans la jungle. Mais moi, c'est vraiment pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment 3 types de bases qu'on voit pas nécessairement souvent, mais qui est une bonne façon. Donc, comme vous pouvez voir, je suis dans un biome glace. Donc, c'est un biome packed ice. Et dans ce biome, j'ai décidé que tout en haut, on met des coffres. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est pas moi qui a fait ça, c'est un abonné. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne façon de le faire. Donc, je vais vous la montrer. Donc, en fait, comment on fait ça? Faut trouver un iceberg qui est quand même assez haut. Donc, comme vous allez voir dans la plupart des biomes packed ice, il y a des icebergs super hauts et d'autres super bas. Celui-ci était super haut. Donc, qu'est-ce que l'abonné a fait? C'est qu'il a monté avec des blocs de terre. Il a ensuite posé 3 coffres. Il a rebouché, il a fait des plateformes autour comme ça pour pouvoir faire genre que c'était un vrai. Et il a mis un setome ici pour pouvoir toujours avoir accès à sa base. Donc ça, c'est une super bonne base, super bien cachée. Mais, bien entendu, les amis, il faut faire très, très, très attention. Parce que ce type de base-là, je vais faire vite fait un kit. J'ai pas un kit ou quelque chose que je peux descendre. Ouais, kit skill friend. Donc, il faut faire très attention avec ce style de base-là. Parce que les personnes, ou les gens plutôt, ils peuvent essayer de miner les trucs. La plupart du temps, comme vous voyez, les gens vont miner le bas, ils vont dire « Oh, on s'en fout du haut », ils vont miner le bas, ils s'en foutent du haut. Mais vous pouvez aussi les cacher dans le bas, mais c'est plus risqué. Donc, vous pourrez, par exemple, faire ça ici, foutre votre coffre, par exemple, dans celui-là, foutre un coffre dans celui-là, et en gros, ça tombe ici à côté, tu vois, ça tombe paquette, par exemple, pack. Et puis là, vous en avez dans plusieurs trucs. Par exemple, il faut toujours avoir de la packed ice de rechange pour boucher parce que, à moins que vous ayez une seal touch, la packed ice ne se récupère pas à la main, elle brise. Donc, comme vous voyez, il y en a plein, donc on pourrait en mettre un autre ici. Mais c'est mieux de le faire dans ceux qui sont plus gros. Comme j'ai dit, dans ce genre de truc là, c'est long, c'est gros. Il y en a plein des comme ça, les amis. Inquiétez-vous pas, il y en a vraiment plein des gros comme ça. C'est juste que là, on est dans un petit packet ice. Mais si on tombe dans des gros baillons de packet ice, vous allez voir, il y en a plein des gros, des énormes. Qui sont vraiment faits comme ça. C'est vraiment fait comme ça. Hein. C'est pas l'abonné qui a fait ça. L'abonné a juste fait les trucs, trois trucs en haut. Des 3 blocs que vous voyez qui dépassent. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures bases à faire pour cacher son stuff. Et je vous reprends maintenant avec la deuxième. Du moins, je vais essayer de trouver un endroit pour pouvoir vous montrer la deuxième, parce que la deuxième, c'est une base encore plus difficile à trouver. À tout de suite. Ma deuxième technique, les amis, c'est dans un biome comme ceci. Comme vous voyez, il y a souvent des biomes comme ça avec des arbres un peu chelous. Qu'est-ce qui est bien à faire, en fait, c'est de cacher le coffre un peu n'importe où dans le coffre, dans les airs, je veux dire. Donc, par exemple, là, j'ai pas de hache ou quoi, mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est cacher, par exemple, le coffre juste ici. Genre, je cache le truc, genre, par exemple, juste là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais, c'est que j'entoure de blocs comme ça autour du coffre. Comme ça, tu mets un autre bloc là, tu sais, tu les mets bien placés pour pas que ça paraisse trop. Mais ce genre de biome-là, c'est un biome cancer parce que, déjà, de 1, on perd énormément d'FPS quand on est dedans. À cause de toutes les feuilles et tout. Ça, c'est un des biomes qui fait le plus like sur tout Minecraft. Et de plus, il n'y a personne qui aime cette couleur de bois, là. Genre, toutes les gens, ils préfèrent le bois d'hiver, ce bois normal. Donc, personne ne va nécessairement rechercher à dans les arbres comme ça. Même, vous pourriez transformer des arbres et en faire des plus gros. Et je pense que personne ne va remarquer que vous avez fait ça. Personnellement, j'ai déjà vu des bases comme ça. Impossible à trouver. Je ne savais même pas. Il y a quelqu'un qui m'avait tapé dans sa base dans ce biome-là. Jamais j'ai été capable de voir, à part quand il m'a montré c'était où. Donc, ça peut être une bonne solution de faire un genre de biome-là. Ici, si vous voulez vraiment tester votre chance, je vous conseille de le faire dans les arbres au-dessus, dans les feuilles au-dessus. Mais comme je vous ai dit juste avant, le problème avec ce genre de feuilles-là, c'est qu'ils sont dans plusieurs packs de textures sur SkillPP, ils sont invisibles. Donc, votre base serait trouvable. Mais normalement, qu'est-ce que les gens aiment bien faire? C'est se mettre sur le dessus de l'herbe, ici, faire 4 coffres et reboucher avec de l'herbe, comme ça. Après, comme je vous ai dit, il y a des packs de textures qui sont... les feuilles sont invisibles. Mais faut faire attention quand on fait des bases dans les arbres. Mais ce biome-là reste quand même le meilleur pour faire une base dans les arbres. Parce que, si vous vous souvenez, sur une des anciennes versions, je me promenais dans ces biomes-là et je trouvais plein de skybase, plein de bases comme ça dans les...
dans les arbres. Donc, il y a une des vidéos, je sais pas si je vais être capable de la retrouver, mais il y a une vidéo, dans une de mes vidéos, une séquence en V6, je crois. C'est ce qu'on faisait, on se promenait sur le toit des arbres et on cherchait des bases. Et on en avait trouvé quand même deux ou trois dans une séquence. Donc, c'était vraiment plutôt intéressant. Donc, faites attention si vous faites ça, les amis. Et maintenant, sinon, vous faites ma technique dans l'arbre, plutôt, je veux dire. Ou même, qu'est-ce que vous pourriez faire, en fait? Qu'est-ce qui est encore plus intelligent? Oh, il y a une faction ici. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Je viens d'y penser, mais en fait, vous cassez la terre qu'il y a ici et vous le mettez en dessous de l'arbre, les 4 coffres en dessous de l'arbre. Genre, ça peut être vraiment une bonne solution, mais encore là, ça c'est risqué. Mais c'est une putain de bonne solution pour pas se faire trouver. Je vous reprends avec la dernière et seule et meilleure technique pour pas se faire trouver. Le dernier endroit, celui que j'utilisais pour toutes les anciennes versions, les amis, c'est une petite montagne toute conne comme celle-ci que vous réarrangez à votre façon. Donc là, c'est pas le meilleur exemple, mais parfois, vous allez voir dans Minecraft, il y a des petites montagnes, genre comme par exemple celle-ci. Regardez, par exemple, comme celle-ci ici, celle-là, vous voyez, une petite montagne comme ça, un petit truc comme ça, un peu fucké. Vous agrandissez en mettant des blocs de stone. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites votre base là-dessus. Il n'y a personne qui va suscepter qu'il y a une base là-dedans, les amis. Avouez, quand même. Il n'y a personne qui va suscepter que dans ce biome-là, ça ici, à l'intérieur de ça, il y a des coffres. Personne va trouver qu'il y a... Attends, je vais y aller pour vous montrer. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui va suscepter ça. Moi, c'est ce que j'avais fait avec Oxatec. Si vous vous souvenez, avant, je jouais avec Oxatec. Et qu'est-ce qu'on faisait? Je vais vous montrer exactement ce qu'on faisait. On minait dans un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on minait dans les rebords. Donc par exemple, comme ça, ok, non, celui-là on pouvait pas, par exemple. Donc là on rebouchait avec la stone, j'ai pas de stone sur moi. Ici on peut descendre de 1, ici on peut descendre de 1. Ici est-ce qu'on peut mettre un coffre, ouais, donc là est-ce qu'on peut miner, non. Fait que là ici on va rajouter un bloc de stone pour qu'on puisse rajouter un coffre. Ici on va faire la même chose, donc ici on va rajouter deux blocs de stone. Un bloc de stone là pour faire rajouter les coffres. Et qu'est-ce qu'on faisait, c'était tellement simple les amis, c'est ça qu'on faisait en fait. Ici on peut leur rajouter un coffre, ici on peut rajouter un autre coffre. Là faut casser ça parce que vu qu'on met des coffres là. Est-ce qu'on peut éloigner là? Oui on peut éloigner, donc on peut mettre un coffre là ici en plus. Un autre coffre ici en plus. Et là ça nous fait quand même une BP avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement on peut même mettre des coffres au sol. 9, 10. Ici on peut mettre 11, 12, 11, 12, 13, 14. 14 coffres dans cette base là. Et si vous voulez vraiment pousser votre chance, vous pouvez en rajouter encore. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous pouvez faire un BP avec 20 coffres qui sera quasiment introuvable, ok? Je vais vous montrer, on rebouche. Imaginez que tout ça c'est de la stone. Il n'y a personne, les amis, qui va penser que votre base elle est là-dedans. Mais vraiment, et vous allez avoir une base sécurisée, cachée avec, avec 20 coffres. Et qu'est-ce qui est super intéressant avec cette base-là, c'est que vu qu'elle est à la surface, c'est impossible de la voir avec un bug d'X-ray. Donc ça, c'est le genre de base que je faisais à la version 6 ou 7 avec Oxatec, si vous vous souvenez, dédicace à lui d'ailleurs, mais c'est avec lui qu'on faisait ce genre de base là. Et si jamais vous trouvez une montagne qui est collée au-dessus, ok, par exemple la montagne elle est plus comme il n'y a pas de montagne vraiment, oh par exemple celle là ok, donc on va aller par ici. Celle-là c'est une bonne montagne, mais par exemple c'est que les gens ils vont beaucoup susceptibles qu'il y ait des coffres dedans vu que maintenant tout le monde connaît les bases montagnes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour pas que la base montagne soit trouvable? Parce qu'il y en a deux, il y a des gens qui vont faire des bugs X-ray dans les montagnes. Vous faites un lac d'eau ou un lac de lave juste au-dessus, juste en dessous de votre base. Comme ça les gens quand ils font le bloc d'X-ray, ils voient un lac de lave, ils voient pas vraiment qu'il y a des coffres au-dessus ou même une BP au-dessus. Donc ça c'est vraiment une solution. Comme vous voyez, personne va penser, bon, imaginez que c'est de la stone quand même, parce que là, vous savez que là, on voit la cobble et tout, mais imaginez que c'est de la stone, les amis, il n'y a personne dans tout le serveur qui va savoir que là, il y a une base. Vraiment, personne. Les gens vont passer à côté, ils vont se dire, ok, oh ben, what the fuck, la génération de Mac, la map, elle est bizarre. Les gens, c'est la plupart du temps, c'est ce qu'ils vont dire. Et vous l'avez vu, c'est pas moi qui ai créé ça, c'était vraiment fait comme ça. Ensuite, il y en a d'autres endroits comme ça, je suis sûr qu'on peut en trouver, mais c'est souvent les biomes comme ceci. Les biomes, c'est quoi le nom de ces biomes-là? C'est les Extreme Hills. Donc dans les biomes extrêmes, j'ai souvent les montagnes un peu fuckées. Puis comme quoi, par exemple, regardez, il y a des blocs qui flottent là. Pourquoi? On sait pas. Mais vous pouvez agrandir le truc qui flotte puis mettre des coffres dedans, vous voyez? Et les gens ils vont dire, oh, bah c'est juste un bug de génération. Donc voilà, c'était mes trois techniques, les amis, pour faire des coffres sécu. La meilleure, c'est bien sûr la dernière. La première aussi, c'est une bonne... c'est une bonne technique, mais aussi, je vais juste vous donner un petit bonus en fait, parce que moi je voulais vous la montrer, mais malheureusement j'ai pas les droppers pour le faire. Mais si vous voulez faire une base dropper, c'est très simple. Vous allez proche de la bedrock, dans la stone, vous faites un trou collé au, comment j'appelle ça, collé au
à la bedrock le plus bas possible et vous mettez des droppers et vous rebouchez avec de la stone. Et puis le tour est joué, les gens vont pas voir les droppers dans le bug X-ray. Donc si jamais vous voulez vraiment faire ça, c'est juste que j'avais pas de droppers pour vous montrer. Sinon, comme j'ai dit, la technique pour cacher en dessous des arbres ou dans les arbres du biome cancer. Donc le biome cancer qui est le biome où est-ce que, on était juste avant, je sais plus dans quelle direction, mais le biome où est-ce que vous avez vu avec les gros arbres. Donc voilà, c'est mes trois techniques et la bonus quatrième pour pouvoir faire des bases impiables, des BP perso, hein. C'est pas des bases impiables, c'est vraiment des bases personnalisées ou des petites BP, des petits stockages de coffres, où on peut mettre environ une vingtaine de coffres, ça dépend des endroits. Mais par exemple, en dessous des arbres, comme je vous ai montré, vous pouvez faire un truc comme ça. Par exemple, même sur un arbre comme ça, vous pourriez le faire, vous mettez trois coffres, comme ça, trois coffres, 1, 2, 3 de haut, vous mettez un home ici à l'extérieur, vous minez toujours les blocks, et puis voilà, le tour est joué. C'est les bases quasiment impossibles à trouver, et ça, c'est, vous voyez, ça c'est une bonne petite montagne aussi pour faire le bug. Elle là-bas aussi pour faire la troisième technique, c'est aussi c'est une très bonne montagne parce qu'elle est un peu bizarre en haut de la montagne, personne ne va suscepter qu'il y a quelque chose. Là je veux dire là aussi, celle-là ici c'est quand même bof, c'est pas la meilleure mais ça reste une bonne pour faire une petite base. Il y a plein d'endroits les amis sur la map que vous pouvez exploiter. Promenez-vous, même si vous êtes proche du spawn, il y a personne qui va suscepter la base que je vous ai montré, la troisième. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui les amis. Je voulais vous donner un petit tutoriel parce que comme vous, comme moi, je me fais toujours piller quand je fais des skybase ou je fais des bases comme ça. Je voulais vous présenter trois types de bases que je me suis jamais fait piller en les utilisant. Donc si vous vous souvenez de la version 7, je l'avais faite à peu près la troisième semaine de la version 7 et 5 mois après quand la version a été terminé, je me suis reconnecté pour aller voir le stuff qu'on avait, si on avait été pillé, etc. Et on n'était pas pillé, c'est moi qui l'ai détruit moi-même le dernier jour du serveur, ma Skype, ma BP, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire les amis, je vous aime tous du plus profond de mon cœur et je vous souhaite à tous une merveilleuse saison 2 sur ce qui est PVP en espérant que votre balle se fasse pas piller. C'était Icons et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!